Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Tu viens de dire bonjour, mon amour? Ah non. Il est 9h30 du matin, on est à Lefkada City. Il fait actuellement entre 56 et 58,5 degrés, si ce n'est 67. Vous voyez mon homme là qui promène le chien? Voilà sa petite tête. Coucou Lent. Donc voici notre vue. En fait, je réalise que je vous ai jamais vraiment montré là où on habitait. Brani m'a installé un hamac. Ça, c'est notre petite cuisine. Genre, on est vraiment, vous voyez, genre dans les montagnes. Genre, vraiment dans les montagnes. On est là-haut. Donc là, Arnaud et moi, ce matin, on s'est appelé en mode alerte orange-rouge. Pourquoi? Parce que Roy Alejandro... J'ai pas compris là ce qu'il fait. Roy Alejandro et Rosalie ne sont plus ensemble, les gars. Après 4 mois de fiançage, des broke their engagement. Donc là, on s'est appelé en mode what the fuck. Genre Arnaud et moi, on est vraiment fans de Rosalie, quoi. Et la chanson Bezo. Genre c'était notre chanson d'amour. Genre ça nous a redonné espoir en la vie, quoi. T'as oublié d'allumer le café? Bah, t'es chelou quand même. J'adore Free People. Je regarde ce mec et c'est halfway, il me saoule, halfway. J'aime bien comment il est raw, mais genre je trouve assez agressif comment il parle. Je trouve qu'il met un bon coup de pied au cul. Genre j'ai écouté un épisode de podcast il y a quelques mois et genre là je suis tombée sur ça et... Like however it just hits you is how it's needed to hit you. So whatever that just made you aware of, good. So the next thing I want to talk about is achievement. Sinon j'ai commencé à regarder ça, How to Get Rich. En gros c'est un financial advisor, donc un mec qui advise concernant les finances, qui va chez les gens, genre aux États-Unis, qui regarde comment ils font leurs dépenses, combien ils gagnent, c'est quoi leur relation par rapport à l'argent, par rapport à eux, par rapport à leur couple, comment ils communiquent à propos de l'argent et tout. Et franchement c'est trop cool, genre il y a un couple de Renoir et ils sont trop marrants. Genre la meuf elle vient de lancer son propre business, genre elle fait du woodwork, genre elle travaille le bois et elle fait genre des planches, des trucs et tout. Et genre elle a fait son deuxième mois à 8000 et elle était là genre j'ai acheté, je suis partie m'acheter un sac de designer et le mec lui a dit mais pourquoi si vous essayez d'acheter une maison? Elle a dit bah parce que je l'aimais bien. Et moi j'étais là genre c'est trop moi. Genre I totally get you. Totally. Moi là je vais aller dépenser 50 balles dans des ongles. Là dans une demi-heure. Est-ce que je les ai? Attends. Paris c'est pas Nintendo. Ça qui t'es serendo. Je suis comme en Italie. Qui font du chiffre comme le cartel Cali. Ma jolie, je conduis depuis oui, je savais pas lire. Sur le port. Oui, agapez-moi. Bref, je viens d'aller me faire les ongles. J'ai fait genre quelques ongles. Ils étaient cassés, donc j'ai fait extension. Genre lui, c'est extension. Le reste, c'est mes ongles. Ça, c'est mon ongle. Quoi de neuf dans ma vie? Donc, ça fait un mois que j'ai commencé ce nouveau boulot pour une agence de mannequins à New York. Je suis devenue donc agent. Ça se passe super bien. C'est juste vraiment le temps de settle dans un nouveau job. Mais je suis tellement grateful de pouvoir bosser pour une putain d'agence à New York et pouvoir le faire de Grèce. Genre, c'était vraiment génial. J'avoue, le rôle me botte de ouf mental. Après, il fait tellement chaud. Genre, vous avez vu sûrement les infos sur la chaleur en Grèce, etc. Genre, quand je vous dis il fait chaud, c'est en mode c'est sauna H24 et t'as vraiment du mal à respirer, t'as vraiment du mal à dormir. Genre, dormir, c'est chaud la mission. Surtout que nous, on vit dans une maison où il n'y a pas, enfin, c'est pas forcément des matériaux qui sont super modernes. Donc, le toit, c'est genre de la tôle ou de la tuile, je sais jamais comment on dit. Et il y a de la clim que dans la cuisine et du coup on laisse les chiens dans la cuisine. Mais genre l'année dernière il faisait tellement chaud qu'on a foutu le matelas dans la cuisine. On a dormi par terre sur le sol avec le matelas dans la cuisine. Enfin bon, bref, avec Brian, Brian, Agapemou c'est mon amour en grec. Ça se passe bien, il y a eu quelques bumps in the road qui j'imagine se passent dans tous les débuts de relation. Mais il y a également beaucoup d'amour, c'est une grosse redirection pour moi.
soit j'en parle maintenant, soit j'en parle plus tard. En gros, j'avais absolument pas planifié de me mettre en relation maintenant, et du coup, en fait, l'immédiateté de la chose, c'était ok, ben du coup, je vais prendre cette route et je vais juste pas prendre toutes les autres routes que je m'étais dit que j'allais prendre, et du coup, je vais un peu me fermer des portes, mais c'est la route de l'amour, donc let's go. Et en fait, hier, genre cette semaine, j'ai un petit peu été en mode réflexion et je me suis dit, mais pourquoi tu devrais choisir entre le mec, la carrière, Londres, la danse, le machin, genre pourquoi pas tout faire, absolument tout marcher ensemble, genre pourquoi tu devrais genre te fermer des portes, parce que genre je sais pas, en fait c'est comme si quand j'étais en relation je me mettais directement en mode housewife, genre brigande de camp qui faisait la cuisine et qui restait à la maison et qui était la femme de, genre ce qui est complètement con, mais genre quand je suis amoureuse, je suis tellement amoureuse que je suis à fond, et ça m'est arrivé genre une fois dans ma vie, et je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que avec mon ex Alejandro, ça a duré genre 6 ans, et depuis ça genre j'ai pas rencontré d'hommes, enfin de mecs qui m'ont botté au point où je me suis dit vas-y je vais me mettre en couple avec eux, jusqu'à Brian. Et voilà, et donc c'est juste dur de faire la part des choses, c'est quelque chose de beau à vivre. Mais il faut juste que dans ma tête je me compte. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'arrives dans une relation genre et que t'as la trentaine déjà, c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour la trentaine et qui ont des gros bagages. Parce que déjà tu sors sûrement d'une autre relation, en plus t'as des plans, mais en même temps enfin, t'as envie de te mettre avec la personne, t'as envie de faire des plans avec la personne, du coup tu dis est-ce que je continue mes plans solo ou avec la personne et blablabla. Mais ce que j'aime bien avec Brian, c'est que il n'y a pas ce jeu de est-ce qu'il va rester avec moi ou est-ce que machin, genre là on sait qu'on est bien ensemble, on sait qu'on peut faire des plans ensemble sans faire peur à l'autre, et ça par contre c'est genre le bon côté de notre relation vu que ça fait un an qu'on se connaît. Donc bon bref, ce qui est cool c'est que du coup, comme j'ai dit, vu que ça fait un an qu'on se connaît, genre on a une relation qui était amicale, qui a évolué en amour, et genre je sais pas, it hits different. Je viens de terminer un meeting qui était sa mère. Bon bref, du coup Rihanna à fond, je suis en train de faire un petit plateau de fromage. J'ai invité mon homme à un apéritif ce soir. T'as pas respecté le dress code pour l'apéritif. On avait dit pantalon en lin blanc. Super. You gotta roll with it, you gotta take your time, you gotta say what you say, then everybody get it. Ensuite, nous buvons du ouzo comme deux poivrons ouzo. C'est un peu genre comme du pastis. Inutile du monde, mais genre avant en fait j'aime bien créer un petit rituel quand je mangeais, genre j'aimais trop genre me préparer à manger, me mettre dans le canapé, genre c'était mon moment, alors que maintenant quand je mange j'aime bien genre manger debout dans ma cuisine en 2 minutes. On s'en bat les couilles. Laine, on va pas y arriver comme ça, hein. On va pas y arriver comme ça. Bon, update, je suis en train de travailler et en gros je suis en train de refaire tous les portfolios parce que maintenant, genre, pour ceux qui se rappellent, je travaille pour une agence de mannequins et je suis devenue agent, et du coup là je suis en train de retravailler tous les portfolios des mannequins, mais genre leur partie Polaroid. Donc c'est en mode genre
toutes les photos comme ça, genre je m'assure que c'est clean, qu'elle look good, que c'est accurate, que c'est récent. Et étant donné qu'il y a genre 150 mannequins, ça prend quand même pas mal de temps. Et là en fait on a décidé de partir à l'FK d'aujourd'hui parce que Brian a rendez-vous chez le dentiste. Et il faut qu'on parte genre littéralement maintenant parce que je veux absolument terminer ça. Et genre lately j'ai un petit peu struggle avec ma productivité et ma motivation. Du coup j'écoute ce podcast de Léo Skeppy. Genre regardez, il est hyper raw, genre limite insultant, et je trouve ça justement genre trop drôle. Et du coup ça me fout un coup de pied au cul, et donc j'écoute ça en même temps que je travaille, et du coup bah voilà, ça m'aide. Voilà ma vie. En direct du dentiste, je vais m'en profiter pour vous montrer ma tenue. T-shirt Zara, petit t-shirt sweat deck qui a plus aucune forme, petite chaussure Lacoste. Voilà. En fait, depuis que je suis avec Brian, bah en fait Brian il aime bien les meufs qui s'habillent un petit peu genre un peu à la française, un peu en mode genre le tour on a croisé une meuf avec un chapeau de paille, il m'a dit c'est très joli, j'adore, et moi je suis partie en fou rire parce que j'ai commencé à m'imaginer avec un chapeau de paille, genre c'est tellement anti mon style. Voilà, donc c'est la première paire de chaussures que j'achète sans plateforme. C'est une épreuve. Là je me suis habillée, je fais un t-shirt noir short et je lui ai dit t'as vu, je m'habille sobre et tout, il m'a dit bah c'est très joli. J'ai fait ouais bah c'est pas. Mais bon j'aime bien, voilà, c'est un différent personnage que je joue dans cette phase de ma vie quoi. Est-ce que tu trouves ça normal que je dépense plus d'argent pour toi que pour moi? Hein? Bon, j'ai trouvé une espèce de forme de joint pour chien. Il est tout sauf calme ce chien, hein? Cold press. Et... oh là là là, bon allez. Goodbye. Bon, il est 19h30, lundi soir. Je viens de terminer mes meetings et j'ai encore beaucoup de pain sur la planche, comme dirait une grand-mère de 84 ans. Brian est parti là-haut pour boire un ouzo et travailler. Et il m'a dit, est-ce que tu veux me rejoindre pour un petit verre de vin et une pita? Quand je dis là-haut, c'est en mode en haut de la colline, donc c'est genre à 3 minutes d'ici. Donc du coup, je vais vous emmener, que vous voyez un petit peu comment commencer par chez nous, quoi. Trop contente parce qu'en fait, Brian, il a fait un tour du monde il y a peut-être 2 ans et il a acheté genre des GoPro, il a acheté plein de super caméras, plein de super zoom, et aujourd'hui, on a pris quelques photos avec celui-là que j'ai publié sur mon Instagram, je vous mettrai là. Et genre, je pense que je vais essayer de créer beaucoup plus de contenu pour mon blog et ouvrir un Tumblr, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, sûrement. Bon bref, le vendredi soir, Brian m'avait planifié une date et je savais pas du tout où on allait, et en fait il m'a emmené dans un restaurant qui s'appelle Amenité, qui est littéralement genre en haut, haut de la montagne, et genre il y a une piscine et genre c'est juste magnifique, genre la vue c'est juste vraiment un truc de ouf, et genre au milieu de la piscine il y a genre 3 tables et je sais que c'est cher, et mais on s'en bat les couilles, et genre il m'a toujours dit genre c'est là où les gens ils demandent leur copine en mariage,
genre sur ces tables, j'en réserve littéralement les tables pour demander leur copine en mariage, et donc à chaque fois t'as des mecs qui posent le genou à terre, et là c'est oh my god, et blabla, bref. Et donc ben voilà, il avait réservé une de ces tables, il ne m'a pas demandé en mariage, mais on a très bien bouffé, on a passé une très bonne soirée, et voilà, c'était magnifique. Merci d'avoir regardé ce vlog. Le prochain sera assez surprenant, je pense, suite à ce vlog que vous venez de regarder. Clin d'œil, clin d'œil. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée, soirée. Des bisous. Mouah.